Aujourd'hui, ce soir, c'est une soirée bénie. Alléluia. Amen. C'est une soirée particulière pour nous tous ici. Amen. Comme l'a dit le modérateur, l'ancien Kipat, ces jours ici, Dieu l'a arrêté depuis les temps anciens. Yes. Et il t'a positionné pour ce soir. Alléluia. Amen. Il t'a positionné pour cette soirée. Ce n'est pas là par hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a amené ici. Alors, je te prie vraiment, je t'exhorte, j'ouvre ton cœur afin de recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir. Nous avons eu la grâce, nous avons la grâce de recevoir un général de Dieu. Je vous dis bien un général de Dieu. Alléluia. C'est un papa de la foi. Amen. Un papa qui a, qui a beaucoup d'enfants. Amen. Et nous faisons partie. Alléluia. Amen. C'est une grâce pour nous. Ce soir, nous a fait la grâce de le recevoir une de nous. Si nous l'a envoyé, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Dieu fait chaque chose pour un but. Alléluia. Amen. Donc je vous prie, je nous prie que chacun de nous dispose son cœur pour recevoir. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, j'appelle avant, avec vos acclamations, j'appelle Papa Talengano. Et le Saint-Esprit reste toujours un bruit impétueux. Son avènement bouleverse le monde. Son avènement renverse l'enfer. Son avènement ne fait déplacer la puissance de la mort. Le Saint-Esprit est là. La guérison est là. Rien ne peut tenir dans sa présence. C'est lui le Père de Jésus. C'est lui qui opérait les miracles au travers de Jésus. C'est lui qui a ressuscité Jésus. C'est lui qui a élevé Jésus. C'est lui qui a glorifié Jésus. Et c'est lui qui est descendu introniser l'église, investir l'église, relever l'église, bâtir l'église de feu et flamme. L'esprit de miracle est là. L'esprit de miracle est là. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen.
Merci est là. Le consolateur. Le Saint-Esprit est là. Amen. 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 Le feu. Quelle consolation. Alléluia. Merci Seigneur. Marthe devait avoir. Yes. Oh Seigneur. Si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Le diable a profité de ton absence pour nous prouver qu'il a au moins et qu'il est quelque chose. C'est parce que tu n'étais pas là. Mais maintenant, que tu es là. Alléluia. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Là-bas, j'ai vu de mes propres yeux là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'aveugle. Là-bas, il n'y a pas de cancer. Là-bas, il n'y a pas la mort. Alors, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il fait quoi avec ce nom dans le ciel? Il t'a donné ce nom. Il a envoyé ce nom sur la terre. Il t'a donné ce nom. Tu possèdes le nom de la souveraineté, le nom de la domination, le nom de la résurrection. Sortir ce soir de l'ignorance. Il n'y a pas un plus grand péché que l'ignorance. Ne pas savoir qui vous êtes. Vous allez vivre comme des médiocres, comme des bas, comme des ridicules. Mais je sais, Papa, affranchis-nous de l'ignorance. Affranchis-nous ce soir de l'ignorance, de la cécité, de l'aveuglement. Mon Dieu, il n'y a pas un plus grand péché que ça. Ne pas savoir que moi, Talingano, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. J'aime bien me mettre devant un miroir, m'admirer moi-même. Tant pis pour ce que tu dis de moi. Cela ne peut que t'engager. J'ai ma bouche pour dire de moi ce qui est juste. Tu ne me connais pas, mais moi je le connais. Ce que je dis de moi est juste. Ce que je dis de moi est juste. Alléluia. Je me mire. Et j'aime bien me mirer. Parce que je suis le miroir de Dieu. Mes enfants, les 5 jours n'ont pas enthousiasmé le cœur de Dieu. Tout pendant 5 jours n'était que bon. Bon, 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 bon. Il s'avançait au 6e jour. Mon ami, le 6e jour, amen, amen. Il a rassemblé le collège. Tout était Dieu créé, Dieu créé. Mais pour me créer, il fallait rassembler le collège. Le Père était là. Le Fils était là. Le Saint-Esprit était là. Unanimement, ils ont décidé, souverainement, donner leur image à l'homme. Aucun ange ne porte l'image de Dieu. Aucun. Tu es
l'image par excellence de Dieu. Ne vis plus dans la médiocrité. Ne vis plus dans le ridicule. N'accepte plus la bassesse dans ta vie. Créé le sixième jour, il t'a élevé au-dessus de toute sa création. Mais réalise, mon fils, après avoir te créé, Dieu n'a plus rien créé après toi. Tu as épuisé Dieu. Alléluia. Alléluia. Épuisé Dieu. Il fallait aller au repos. Dieu te fait se reposer. Alléluia. Parce qu'il était totalement épuisé. D'avoir donné son image à l'homme. Et tu n'as pas que son image. Tu as aussi sa ressemblance. Amen. Merci Seigneur. Sa ressemblance. Si j'ai son image d'irrépréhensibilité, de pureté, de justice, de grandeur, il m'a aussi donné sa ressemblance. Alléluia. Je suis aussi créateur. Alléluia. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Celui qui dit et la chose s'accomplit. Amen. Amen. Alléluia. C'est ce que tu es ce soir. Merci Seigneur. Oui, vous vous amusez à dire, tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais jusqu'à quand vous réaliserez? Et ta bouche fait quoi? N'appelle que les soucis en existence. Ta bouche n'appelle que les problèmes en existence. Ta bouche n'appelle que la défaite en existence. Change de bouche ce soir. Amen. Parle. Parle comme Dieu ce soir. Mes enfants, je les ai faits de Talingano. Aujourd'hui, ils sont des ingénieurs. On les appelle Talingano. C'est pas moi qui réponds à leur place. Ils écrivent Talingano avec un grand T. Amen, amen. Alors qu'ils n'ont pas le droit d'écrire Talingano avec un grand T. C'est moi qui dois écrire Talingano avec un grand T. Mais eux, ils croient qu'ils sont Talingano. Et si mon père s'appelle Dieu, je suis nommé de quel nom? Je suis Dieu. Vous le vouliez ou pas, cela ne peut que vous engager. Mon père s'appelle Dieu. Il a fait de moi son fils, un Dieu. Je te dis, je suis Dieu. Investi sur la terre avec la domination. Avec son pouvoir, avec son nom qu'il m'a donné, que j'incarne, que j'exploite tout ce qui est dans ce nom est pour moi. Toute grandeur qui est dans ce nom est pour moi. Toute souveraineté qui est dans ce nom est pour moi. Mais oui. Monsieur Macron, il est devenu chef de l'État. Mais tous ceux qui sont dans la circonférence de Macron bénéficient de l'autorité que la France lui a donnée. Le papa de Macron aujourd'hui, il y a la sécurité de la France qui le garde. C'est un moment, il y a la sécurité qui le garde. Parce qu'il est le chef de l'État. Ses parents doivent bénéficier de tout ce qui incarne cette souveraineté que la France lui a donnée. Mais mes enfants, lui, il n'a qu'une petite sécurité. Mais avant que moi, Talingano, j'arrive ici, tout ce quartier est barricadé. Je suis plus que M. Macron. Amen.
Yes. Amen, 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 amen. Mes enfants. Yes. Je suis plus que lui. Amen. Je gère un pouvoir. Oh. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Je gère un pouvoir. Yes. Alléluia. Yes. Il m'a donné une puissance. Alléluia. Il m'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père n'est pas là-bas. Le Père habite en moi. Alléluia. Alléluia. Le Fils habite en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Je suis le royaume. La petite sorcellerie. Pourquoi craindre la maçonnerie? Pourquoi craindre Satan? Mais je suis un poids lourd. Malheur à celui qui tombe sur moi. Il s'ébranle. Et celui sur qui je tombe, je l'écrase. Je ne suis pas n'importe qui. Et si vous dites, il est le roi des rois, mais ces rois ne sont pas les Trump. Ces rois ne sont pas les Poutine. Puisqu'il vous a donné le royaume. Celui qui a le royaume n'est-il pas roi? Amen. Il vous a donné le royaume. Amen. Je gère un royaume. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi j'aime bien chanter. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Amen.
Amen. Alléluia. 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 Je réclame mon identité. Je réclame mon identité. Je revendique mon identité. Je revendique mon identité. Et je m'établis dans mon identité. Alléluia. Fais con, fais con, fais con. Alléluia.
Tu es fécond dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Yes. Tu ne pries pas pour chercher la fécondité. Yes. Dieu t'a dit, sois fécond. Amen. C'est une nouvelle entrée que tu commences. Merci Seigneur. Yes. Non, non. La résurrection de toute fécondité s'établira dans ta vie. Amen. Plus jamais tu échoueras. Tu reprends cette année dans la fécondité, dans la réussite, dans la prospérité, dans l'élévation. Alléluia. Tu es lié, fécond. Je suis fécond. La fécondité n'est pas que dans le but de faire des enfants. Moi, j'en ai 10 avec Astrid. Mais ici, là, j'ai dit à Dieu, si tant ton affaire de fécondité est seulement celle de faire des enfants, vraiment, les factures de leurs études me coûtent beaucoup. L'entretien de ces enfants me coûte beaucoup. Alors, arrête-moi dans ce domaine. Amen. Auprès de toutes les nations, je vais. Alléluia. Je suis fécond en révélation. Je suis fécond dans la foi. Je suis fécond dans les miracles. Alléluia. Je suis fécond dans la puissance. Alléluia. Je suis fécond dans la distinction. Alléluia. Je suis fécond dans l'excellence. Alléluia. Je suis fécond dans la sagesse. Alléluia. Je suis fécond dans l'intelligence. Alléluia. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je fais réussit. 2017 est gagné. Amen. De la multiplication. Yes, fini les miettes dans ma vie. Fini les miettes. Le maître de la multiplication est rentré dans ma barque. Dans cette nouvelle entrée, le maître de la multiplication a fait son entrée dans ma barque, dans ma vie. Jésus a fait son entrée. Là que je les arrête, où j'avais échoué, où j'avais connu l'aridité, mais pas de ce lac de je les arrête, toi la France, je reprends la pêche. Ici en France, là où j'ai connu l'échec, là où les portes me sont fermées, là où j'ai connu l'aridité, je reprends ce mois de septembre, je reprends ce mois d'octobre, je reprends ce mois de novembre. Une barque de poissons qu'on peut compter. Amen. Ce serait une barque d'approvisionnement. Amen. Une barque d'approvisionnement. Mes parents vivront de ma barque. Yes. Ils sauront que Jésus est en moi. Amen. Ma famille vivra de ma barque. Saura que Jésus est en moi. Amen. Mes voisins verront la gloire de Dieu dans ma barque. Mes collaborateurs verront la barque. De révélation, de capacité scientifique. Alléluia. Alléluia. Je reprends le pouvoir de la multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et voilà dans ta main, il t'a donné la domination.
ange. Dieu n'a jamais béni un ange. Il n'y a aucune écriture qui dit Dieu a béni les anges. Mais l'écriture dit Dieu a béni l'homme et la femme. Ma fille, c'est pas parce que tu vis dans la sanctification qu'il t'a béni. Sanctification au pont. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il a béni l'homme et la femme. Adam est tombé. Dieu n'a jamais enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Il n'y a aucune écriture que le péché a enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. A enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. A enlevé le pouvoir de la multiplication dans la vie d'Adam. A enlevé la domination dans la vie d'Adam. Le pouvoir d'assujettir dans la vie d'Adam. Dieu n'est pas pauvre pour enlever ce qu'il a établi dans ta vie. Prends ça dans ta conscience et commence à le louer ce soir. À l'adorer ce soir. À croire en lui ce soir. À l'établir dans ta vie ce soir. À l'élever ce soir. À le sanctifier dans ta vie ce soir. Alléluia. Et Jésus-Christ t'a tout restauré. A tout restauré ce que tu as perdu. Ce qui a été coupé. Ce qui a été détruit. Tout est rebâti dans ta vie ce soir. Tout est reconstruit dans ta vie ce soir. Tout a été restitué ce soir. Alléluia. Amen. 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 Moïse, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis quoi, Dieu? Tu m'envoies vers Pharaon? Il ne faut qu'un Dieu pour ébranler Pharaon. Quoi? Il ne faut qu'un Dieu. Je fais de toi, Moïse, Dieu. Alléluia. Alléluia. Je fais de toi, Dieu. Il n'a pas dit un Dieu. Je fais de toi, Dieu. Amen. Alléluia. Exode 7. Et c'est en grand D. Je fais de toi, Dieu. Et en grand D. Puisque tu me dis qu'il ne faut qu'un Dieu pour ébranler Pharaon. Alors, je fais de toi Dieu. Tu sais ce que Dieu cherche ce soir. Il est esprit. Dieu ne cherche qu'un corps qui lui est disponible. S'établir dans ce corps. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leur angoisse, leur souffrance. Je suis descendu. Et en descendant, il a eu heureusement le corps de Moïse. Les vieilles chaussures étaient ôtées. Il est passé travers le buisson ardent qui a consumé le vieil homme traîné depuis l'Égypte. Alléluia. Et enfin, Moïse s'est établi un corps disponible à Dieu. Jésus, c'est l'homme. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est l'homme. Dieu a trouvé le corps de Jésus. Il s'est établi dedans en Christ. Alléluia. En Christ. Le monde a crucifié un corps, Jésus. Mais le monde ne peut pas crucifier le Christ. Amen. Pilate n'a pas écrit sur la croix
Jésus-Christ, il a écrit Jésus de Nazareth. Mais où était le Christ? Le Christ ne peut pas mourir. Le Christ est Dieu. Alléluia. Ce soir, amen, amen. Il a encore trouvé un corps dans la chambre haute. Le corps de Pierre, de Barthélemy, de Thomas, de Jean. Pierre qui l'a renié. Cette fois-ci, c'est un autre Pierre disposé pendant 10 jours à lui. Il est entré dans la vie de Pierre. Il a trouvé un corps. Il est entré dedans. Pierre n'est plus celui qui guérit. Il est lui-même la guérison. Lui-même la guérison. Pierre n'est plus celui qui ressuscite. Il est la résurrection. Toute la nature divine de Jésus en lui. Ce n'est pas lui qui chassait les démons, mais les démons s'épouvantaient devant lui. Les démons étaient dans l'angoisse devant lui. La France, tiens-toi debout. Ce soir, Dieu va trouver un corps. Dieu va trouver un corps ce soir. Alléluia. Oh papa, je me dispose à toi. Je me dispose à toi ce soir, papa. Mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, à toi ce soir, Seigneur. Tu as délogé Satan de ton temple, de ton palais. Tu m'as affranchi de la servitude, du négatif, du pessimisme, de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse, du stress. Tu m'as libéré. Et je me dispose à ton esprit ce soir. Alléluia. À ta puissance ce soir. Alléluia. À ta grâce ce soir. Alléluia. À ton feu ce soir. Alléluia. À tout un don de miracles. Je me dispose. Je me dispose. Les vieilles chaussures, je les ai ôtées. La vieille tenue, tu me l'as ôtée. Ce que je ne peux pas faire de moi-même, ce soir, je me remets entre tes mains. Tu m'enlèveras le vieux cœur. Tu m'enlèveras la vieille vision. Tu m'enlèveras le vieux langage. Alléluia. Tu m'enlèveras la tradition. Alléluia. Tu m'enlèveras la religiosité. Alléluia. Tu m'enlèveras la peur. Alléluia. L'inquiétude. Alléluia. Yes. Tu m'as promis une puissance. Alléluia. Et je la reçois. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Je le reçois. Tu m'as promis le pouvoir du royaume. Le pouvoir de changer les ténèbres à la lumière. Changer la mort à la vie. De changer la pauvreté en richesse. Tu m'as donné le pouvoir. Je reçois le pouvoir d'en haut. Le pouvoir d'en haut. La domination. Alléluia. 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 Alléluia.
La mort a perdu son pouvoir. L'enfer est dépouillé. Satan est mon marche-pied. Je suis élevé. Sauveur. Comment pourrais-je l'appeler sauveur?
Yes, yes, yes. Hey, yes. Amen. Comment pourrais-je l'appeler sauveur? Amen. S'il n'y a pas d'entrave, Alléluia. S'il n'y a pas d'obstacle, Alléluia. S'il n'y a pas d'opposition, Alléluia. Comment pourrais-je mesurer sa grandeur, Alléluia. Sa puissance, Alléluia. Sa présence en moi? Alléluia. Non, l'ennemi, tu fais une œuvre qui te tombe toi-même. Tu as allumé le feu pour s'attraper à ton égo. Mais il était la quatrième personne. Oh, alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Mon ami, là où tu passes, il passe. Amen. Et ce que j'ai à vous dire, et je terminerai là. Vous savez, Abraham a eu deux fils. Le premier Ismaïl est le fils de la bénédiction. Dieu a dit Abraham. Et puis, il n'a même pas condamné cet enfant, peut-être qui est fait dans le désordre. Il a approuvé. Nous ne connaissons pas les voies de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes prêts à condamner, à juger, à utiliser fornication. Personne connaît les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà un enfant qui est sorti du désordre. Que vous appelez désordre. C'est quand vous appelez désordre que Dieu appelle ordre. Amen. Déjà lui-même, David, il a dit, on m'a conçu dans le péché. Donc il n'était pas le fils légitime. Il n'était pas le fils légitime. On a vu tous les enfants légitimes des âges. Et Samuel a dit, aucun de tous. Oh my God. Ce sont mes fils. T'as pas un autre. Ah oui. Celui là-bas. Celui qui est dans la forêt. Et puis, celui qui est demi. On lui donne toujours le sale boulot. Tu vois l'âge que David a. On va le jeter dans la forêt. Alors que dedans, il y a des grands fils comme mon fils, avec des gabarits, avec des troncs, avec des muscles, qui peuvent étrangler les lions, garder les brebis. Mais un petit enfant, mais puisqu'il n'est pas légitime, on lui donne le sale boulot. Et Dieu va le faire. Mes amis, c'est ce que le monde rejette que Dieu récupère. C'est ce que le monde méprise que Dieu approuve. Que sur quoi le monde crache que Dieu sanctifie. Rejouis-toi. Quel que soit là où tu es passé, quel que soit l'opprobre que tu portes, la honte que tu portes, ce soir, tu porteras la couronne de gloire. Tu porteras la couronne de la magnificence. Dieu t'appellera d'un nom nouveau. Ma gloire. Mon fils. Ma gloire. Mon fils. Oh éternel. Alléluia. Ismaïl, je le bénirai. Mais je ne traiterai pas mon alliance avec lui. Je le bénirai. Et voyez les Arabes. La postérité d'Ismaïl. Allez à Qatar. Allez à Dubaï. Voir Dubaï. Même les Champs-Élysées, là, c'est rien. C'est rien dans ces pays islamiques. Dieu a tenu sa promesse. Cet enfant, je le bénis. Il connaîtra une grande postérité. Il y a des chrétiens. Les chrétiens de la bénédiction. Ne soyez pas les chrétiens de la bénédiction.
qui court derrière toute bénédiction, qui court derrière les onctions d'huile, qui court derrière les impositions de main. Ne soyez pas les chrétiens de la bénédiction. Vous êtes déjà bénis. Vous n'avez pas besoin d'une onction d'huile pour être béni. Vous êtes vous-même une onction d'huile. Vous êtes vous-même une onction d'huile. Et cela devient même une idolâtrie. Puisqu'on vend aujourd'hui l'huile. Puisqu'on vend l'huile, on va en Israël, on va chercher l'eau de Jourdain. Où les prostituées défilent là-bas, se lavent là-dedans pour venir vendre. Je cherche quoi dans ces huiles alors que le Saint-Esprit, c'est l'huile de la grâce, c'est l'huile de feu, c'est l'huile de la puissance. Le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'y mettre de l'argent. La promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Mes enfants, dès que Isaac est sorti, Dieu a dit à Abraham, voilà celui avec qui je traiterai mon alliance. Il n'a pas dit que je bénirai Isaac. Je traiterai mon alliance. Celui avec qui je traiterai mon alliance. Alléluia. Voyez-vous la postérité d'Isaac, les Juifs. Mon ami, Dieu se répand de sa bénédiction, mais jamais peut se répandre de son alliance. Mon ami, quand Dieu traite une alliance avec toi, c'est une alliance éternelle. Tes ennemis, il est au front. À cause de l'alliance. Amen, amen, amen. Voilà l'alliance avec Dieu. Ce peuple possède tout le sommet. Tout le sommet. Trump est tenu par les Juifs. À la Maison Blanche, c'est eux. Dans quelle technologie on ne les trouve pas? Dans quel sommet on ne les trouve pas? Mon ami. Vous vous souvenez de la guerre de 6 jours, de 7 jours? Mais qui a fait cette guerre? Mais c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu mourir pour une bénédiction. Il n'a pas versé son sang pour une bénédiction. Il a dit, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Son sang est la nouvelle alliance. Alliance, il n'appelle pas Dieu à bas. La nouvelle alliance nous donne la souveraineté. Nous fait entrer dans la famille de Dieu. Nous appelons Dieu aujourd'hui Papa. Papa. Mon Père. Mon Père. Alors que dans la vieille alliance, il n'appelle pas Dieu Père. Voilà pourquoi ils ont crucifié Jésus. Ils ont crucifié Jésus juste pour cette sentence. Il s'est dit fils de Dieu. Comment peut-il appeler Dieu Père? Père. Mais nous connaissons son père. Nous connaissons sa maman. Mais comment il peut se dire qu'il est le fils de Dieu, qu'il appelle Père, qu'il appelle Père? Tu dis aux Juifs que Jésus est un prophète. Ok. Tu dis à l'islam que Jésus est un grand prophète. Ok. Mais quand tu dis que Jésus est le fils, pas. Tu dis qu'il est enfant de Dieu. Ça peut aller. Oui, papa. Parce que j'ai pris un enfant de la rue. Je suis allé au marché, je vois un enfant de la rue qui est venu me tenir. Je l'ai amené à la maison.
J'ai enlevé les habits de l'enfant de la rue. Je suis allé prêcher l'évangile aux pygmées. Une femme pygmée a accouché une très belle fille. J'ai pris. J'ai amené chez moi à la maison. Tu arrives chez moi à la maison, tu n'as pas une assiette d'un enfant de la rue ou d'une pygmée. Tu as la même assiette pour tous les enfants de Canada. Tous les enfants de Canada. Mais ils sont tous mes enfants. Mais ils ne sont pas tous mes fils. Et au milieu de nous, il y a des enfants de Dieu. Et il y a des fils. Les fils ont des caractéristiques. Et même les enfants persécute même les fils. Si tu es dans l'église, tu vois qu'on te hait sans cause. On te persécute sans cause. C'est que eux, les enfants, ils se sont rendus compte que tu es sorti du lot. Tu as une couronne sur ta tête. Tu as une distinction sur toi. Tout ce que tu fais, tu réussis. Ils voient comment tu es béni, comment tu prospères, et pourtant tu pries avec eux tous. Et ils te jalousent. Et tu te dis, mais pourquoi? Mais et pourtant, on est tous ensemble, on prie ensemble. Toi, tu as une autre identité. Tu as une autre identité. Jésus n'est pas un enfant de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Au milieu de nous, il y a des enfants de Dieu médiocres. Quand on voit leur langage après le Alléluia, après Alléluia, Amen. Mais quand tu vois leur langage, tu te dis, mais enfin, quelqu'un qui venait de dire Alléluia, comment il peut parler comme ça? Comment il peut critiquer? Comment il peut parler du mal de quelqu'un? Non, papa. Celui qui m'a vu a vu mon père. Celui qui te voit doit voir ton père miséricordieux au travers de toi. Long à la colère au travers de toi. Compassion au travers de toi. Il doit te voir dans la douceur de ton Père. Alléluia. Dans la vérité de ton Père. Alléluia. Il doit te voir dans l'amour de ton Père. Alléluia. Quelle que soit l'ingratitude que tu vis de leur part, Alléluia. Tu es toujours au-dessus de leur ingratitude. Alléluia. Prêt à leur tendre la main. Alléluia. Prêt à les relever, à venir à leur secours. Alléluia. Ô Éternel, enlève-nous du lot. Amen, amen, amen. De ces enfants. Alléluia. Mets-nous en dehors. Oh, fais de nous des mises à part. Alléluia. Fais de nous des mises à part. Alléluia. Dans mon langage, le langage du royaume. Alléluia. Le fils avait le langage du surnaturel. Le fils avait le langage du roi. On disait que Lazare est mort. Mais le fils avait notre langage. Lazare dort. Lazare dort. Alléluia. Le fils ne voyait pas le vent un péril. Ne voyait pas la tempête un péril. Oh, les apôtres voyaient le vent le péril. Le fils voyait le vent. Oh, comme un instrument de la gloire, où au travers, je peux rendre gloire à Dieu. Le fils voyait la tsunami, pas celle qui peut alors m'engloutir, mais au travers d'elle, la gloire de Dieu éclatera. On a dit, la fille de Jérusalem est morte. Le fils qui est la vie. Dans le royaume, nous n'avons pas le langage de la mort. Amen, amen. Nous n'avons pas le langage de la mort dans le royaume. Amen. Nous n'avons que le langage de la vie. Amen. La fille de Jairus se tord. Oh, la fille de Jairus se tord. Amen. Oh Éternel. Oh, et quand je vois au milieu de nous les chrétiens parlent comme les gens du monde, comment voulez-vous que les gens du monde viennent là où vous avez le même langage que eux?
c'est pas évident. À l'église, on entend les chrétiens, c'est pas évident. C'est pas évident, mais enfin, les gens du monde ont ce langage, c'est pas évident. À l'église, on dit, c'est pas évident. Enfin, qu'est-ce qui n'est pas évident dans la maison de Dieu? Alléluia. Depuis que Christ est sorti vivant du tombeau, tout est évident. Ce soir, je crois dans le grand Dieu, je crois dans le Dieu de l'histoire, je crois dans le Dieu des miracles, je crois dans le Dieu de la résurrection, je crois dans le Dieu de l'alpha et de l'oméga, je crois dans le Dieu de triomphe, je crois dans le Dieu de la perfection, je crois dans le Dieu des miracles. Ce soir, je vous établis dans l'alliance. Amen. 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 Alléluia. Mes enfants. Dans l'alliance. Alléluia. Dans l'alliance, les désirs de ton cœur sont exaucés. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans l'alliance, tout ce que tu conçois s'exécute. Alléluia. Dans l'alliance. Ce n'est pas toi qui cours derrière la bénédiction. Yes, yes, yes. Mais la bénédiction courira derrière toi. Amen. Courira derrière toi. Dans l'alliance. Dans l'alliance, dans la puissance. Dans l'alliance, dans la gloire. Dans l'alliance, dans la lutte. Dans l'alliance, dans le miracle. Dans l'alliance, dans les prodiges. Dans l'alliance, dans les vertus de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, dans le pouvoir que y a toi. Alléluia. 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 Ce soir, rentrez dans l'alliance. Amen. L'alliance de la guérison. Amen. Depuis les cheveux jusqu'aux orteils. Soyez guéris. Soyez guéris. L'alliance de son nom. L'alliance du tout est accompli. L'alliance de la victoire sur la mort. L'alliance de la résurrection. L'alliance de l'ascension. L'alliance du règne. L'alliance du règne. L'alliance de la richesse. L'alliance de la joie. L'alliance de la paix. L'alliance de la distinction. De la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors dites après moi, Père. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'introduis. Je m'introduis. Dans l'alliance. Dans l'alliance. Divinité. Ta divinité, de ta souveraineté, de ta souveraineté, de tes richesses, de tes richesses, de ta gloire, de ta gloire, de ta puissance, de ta puissance. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Je rentre dans la grandeur du nom de Jésus. Je rentre dans la grandeur du nom de Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Je rentre dans la plénitude du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Enfin.
magicien, au magicien, à l'enfer, à l'enfer, à tous les démons, à tous les démons, ils n'ont aucune autorité sur moi, j'ai la victoire, la victoire, j'ai la victoire, la victoire. Égyptiens que je vois ce soir finis leur vie leur règne je mets un terme à leur règne je mets un terme aux effets négatifs de leur présence dans ma vie dans mes projets Corinthiens 15, 57. Voilà, certainement vous partirez avec ça. Amen. Yes. Corinthiens 15, 57. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lis-moi dans ce verset, dans ce, cette tradition, cette version. Vas-y. Ah, c'est en anglais. Vas-y, donne-moi, donne-moi. 8 secondes. Mes grâces sont rendues à Dieu. Mes grâces. Mes grâces. Yes. Mes grâces. Mes grâces. Soit rendu. Mes enfants. Si vous n'avez pas la grâce ce soir, qu'est-ce que vous allez la lui rendre? Tu as la grâce de la vie. Amen. Combien sont morts aujourd'hui?
combien sont cloués sur le lit de douleur à l'hôpital. Combien vivent attachés à leur lit, n'ont pas vu la beauté de ce soleil. Grâce. La vie que j'ai, oh grâce. La santé que j'ai, oh grâce. Amen. Mes enfants, il suffit de rester une seconde dans les douleurs pour réaliser les temps de grâce de santé que Dieu t'a donné et que tu n'as pas mesuré l'importance. Mais ce soir, 10 lépreux ont été guéris. Un seul est revenu. Lui rendre grâce. Combien aimeriez être ici ce soir pour écouter la voix de la grâce. Amen. Dieu t'a fait la grâce. Amen. De venir écouter la voix de la grâce. La voix de la grâce. La voix de la grâce. Rends-lui grâce. Ces grâces t'accompagneront. Rends-lui grâce. Ces grâces t'accompagneront. Avant que tu pries, les grâces de l'exaucement seront déjà là. Amen. Avant les épreuves, les grâces de la victoire seront déjà là. Amen. Les grâces de la santé. Les grâces du pardon de mes péchés. Les grâces de mon nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Les grâces, je le réponds dans la vie de mes enfants. Au début de cette scolarité, c'est grâce. Je la possède, cette grâce. Je la réponds sur mes enfants. Au début de cette année, oh Dieu, en sécurité, dans le départ et dans l'arrivée, en sagesse, en intelligence, je réponds ta grâce dans la vie de ma famille. La grâce de la joie, je l'ai ce soir. La grâce de la paix, je l'ai ce soir. Il y en a qui prennent du cachet pour se faire une fraction de seconde de sommeil. Mais moi, j'ai le temps du sommeil. Quand je vais dormir paisiblement. Quelle grâce, Seigneur! Le sommeil est une grâce. 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 Sois rendu. Mon épouse est une grâce. Seigneur, je te rends Astrid comme ma grâce. Mes enfants sont une grâce. Combien de gens cherchent des enfants et n'en possèdent pas. Tu me l'as donné. Je te les rends. Grâce. Grâce. Combien cherchent des époux et non pas de mari. Cet homme que Dieu m'a donné, ouvre-moi les yeux pour réaliser que c'est une grâce. Ouvre-moi les yeux pour réaliser que mon épouse est une grâce. Alléluia. 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 Je ne verrai plus la mort. J'échappe ce soir au contrôle de la mort. Amen. Quelle grâce. Amen, amen, amen. J'échappe au contrôle de la mort. Quelle grâce. Amen. Je régnerai avec le roi des rois. Quelle grâce. Amen. Il m'a déchargé de tous mes fardeaux ce soir. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Amen. Moi qui n'avais pas un papa, aujourd'hui, je peux en avoir un. Alléluia. Mon Père, Amen. Le Créateur de l'univers. Alléluia. Mon Père, Alléluia. Le Dieu des nations. Alléluia. Mon Père, l'or t'appartient. Alléluia. L'argent t'appartient. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Quelle grâce.
cieux pour en faire leur sécurité. J'ai pris celui qui tient la clé des morts. Et de ce jour des morts, l'agneau de Dieu. Enfants, grâce soit rendue à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons dans une nouvelle époque. Alléluia. Alors, rendons-lui grâce pour tout ce qu'il a fait l'année dernière. Amen. Pour qu'il puisse investir dans notre barque et recommencer. Amen. Une nouvelle année avec nous. Amen. Ne soyons pas des ingrats. Amen. Rendons-lui grâce. Amen. Pour tout ce qui s'est passé. Amen. En douleur, rends-lui grâce. Amen. En victoire, rends-lui grâce. Amen. En difficulté, rends-lui grâce. Amen. Puisque tout cela ne t'a pas emporté. Amen. Malgré tout cela, tu vis. Amen. Malgré tout cela, tu vis. Amen. L'ennemi a échoué. Je monte. Je monte dans une nouvelle dimension de grâce. Alléluia. 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 Et grâce soit rendu à Dieu, qui nous donne la victoire, qui nous donne la victoire, qui nous donne la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Les chars, les cavaleries de Pharaon ont été engloutis dans la mer rouge. Mais moi, ce soir, mes péchés sont engloutis dans une victoire. Amen. Le Christ. Alléluia. Non, non. Alléluia. Mon sida, maladie incurable, ce soir, tu es englouti. La victoire. Alléluia. Cancer, toi qui as battu la science, ce soir je te dis, tu es englouti dans la victoire. Attention, je te dis, tu es englouti dans la victoire. Pauvreté, difficulté, blocage, ce soir, tu es englouti dans la victoire. Dans la victoire. Dans la victoire. Christ est ma victoire. Jésus, l'agneau de Dieu, est ma victoire. Jésus le roi des rois est ma victoire. Jésus le vivant au siècle de tous les siècles est ma victoire. Le Dieu des nations est ma victoire. Le Dieu de toute gloire est ma victoire. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse a perdu la vision de ce qu'il avait en main. Paniqué devant les serpents de Pharaon, alors qu'il avait un bâton. Si les sorciers de Pharaon jetaient leur bâton, mais Moïse, qu'as-tu en main? Qu'as-tu en main? Papa, ce soir, fini ma cécité. Fini mon ignorance. Amen. Ce que j'ai ce soir, tu m'as tant aimé. Ce que tu m'as donné ce que tu as d'unique. J'ai Jésus. Papa, j'ai Jésus. Dieu m'a donné Jésus. Dieu m'a donné Jésus. C'est le serpent d'airain. Amen. C'est le gros serpent d'airain que Moïse a élevé. Que Dieu m'a donné. Amen. Je ferai des exploits. Amen. Alléluia. Tous les serpents de Pharaon, de la sorcellerie, seront avalés par celui que je possède. Amen.
La science a battu, enfin, le sida a battu la science. Les maladies vaincues ont battu la science. Mais aucune maladie ce soir battra celui que je possède. Amen. 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 Yes. Alléluia. 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 La victoire. Mon fils, tu repars avec ça. La victoire, tu ne la vois pas comme ce micro. Les choses de la foi n'ont rien à voir avec nos cinq sens. La victoire, si tu crois que tu l'as, c'est ton comportement. C'est ta mentalité. C'est ton attitude. C'est ton langage. C'est l'état de ton âme. C'est l'état de ton esprit. C'est l'état de ton cœur. Papa, j'ai la victoire. Mon comportement change ce soir. J'ai la victoire. Ma mentalité change. Mon attitude change. Mon attitude change. Ma vision change. Ma vision change. Mon langage change. Mon langage change. Je m'impose. Je m'impose. L'ennemi recule. L'ennemi recule. Je domine. Je domine. Alléluia. Alléluia. J'ai la victoire. Voilà mes enfants, ce que j'ai. Yes. Et que je vous donne. Amen. Pierre a dit ce que j'ai. Je te le donne. C'est ce que Talingano possède. Depuis 1975, où Jésus m'est apparu dans ma chambre et que mes yeux l'ont vu. Alléluia. Quelle beauté, quelle magnificence, quel éclat, quelle grandeur. Il m'a donné la victoire. Alléluia. Dans les prisons, personne n'a pu m'arrêter. On a ouvert mon crâne, tout mon visage baignant de sang. J'ai eu 8 sutures sur ma tête. Personne m'a arrêté. On m'a jeté en prison. Je suis allé enfoncer ma tête dans le tonneau de caca. J'ai pris le caca dans mes cheveux, sur mon visage. J'en suis resté là-dedans pendant 2 semaines. Personne ne m'a arrêté. J'ai déclenché le réveil de la République centrafricaine. Je suis allé au Gabon. J'ai déclenché le réveil du Gabon. Je suis allé au Zaïre. Le premier à faire la campagne. La campagne au stade Mobutu, où les Aérois ont vu les paralytiques bondir, les aveugles recouvrir la vue. Je leur ai dit, vous n'avez vu que des blancs venir ici, mais mon Jésus, il n'est ni blanc, ni noir, ni vert, ni blanc. Amen. Amen. Alléluia. Mais voyez quelqu'un qui n'a rien pour attirer le regard, mais qui croit. Amen. Je vis dans un pays comme celui-là, cartésien. Je paye une maison 600 euros. Je suis jamais allé chez un assistant social, je connais pas. APL, je sais pas quoi, je connais pas. Je n'ai ni subvention, ni aide, ni rien. Aucune église me soutient. Je n'ai connu aucun arriéré de loyer. Depuis 2003 que je suis dans cette maison, 600 euros par mois. Je paie la scolarité de mon fils, qui est devenu ingénieur en aéronautique.
4800 euros, il a fait 6 ans. J'ai payé les études de mes enfants en Côte d'Ivoire, 2 millions. 2 millions, ils sont devenus des ingénieurs en base de données. J'ai la victoire. Je suis jamais. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. J'arrive à Côte d'Ivoire. Les gens sont allés me chercher dans le quartier. Comme c'est pas beau. Je veux te voir. J'arrive au palais. Je dis, oh, il y a le gros poisson. Il a avalé mon argent. Je tire de sa bouche. J'ai la victoire. Amen. Alléluia. Je suis allé au Gabon. Bongo a entendu parler de moi, palais, sur un trop palais. Dans son bureau, il a ouvert le coffre. Je regarde comme si c'était la Banque de France, des dollars, la Banque des États-Unis, des dollars, des dollars, des dollars, des dollars. De héros, 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 du CFA. J'ai dit, oh Dieu, tu m'as dit que tu as accompli les désirs de mon cœur. Amen. Alors, Dieu, tu m'as dit tout ce qui est à toi et à moi. L'argent est à toi, qu'est-ce que l'argent fait ici? Je ne veux pas du CFA. Tu ne me donneras pas le scorpion lorsque je demande du pain. Billet vert. Billet vert. Le chef de l'État, mais j'étais des liasses de dollars, de dollars, de dollars, de dollars, de dollars. Des liasses de 500 euros, 500 euros, des liasses comme ça. Il me jette ça par terre, il me jette. Vous êtes un seul et vous n'avez pas F5. Vous n'avez pas F5. Cherchez-moi F5 pour le pasteur. Spirituel. Amen. Victoire morale. Amen. Victoire révélation. Amen. Victoire miracle. Amen. Victoire guérison. Amen. Victoire autorité. Amen. Victoire puissance. Amen. Victoire joie. Amen. Victoire paix. Amen. Victoire triomphe. Il y en a qui jouent 40, 90 minutes pour avoir la victoire. Mais moi, avant le match, j'ai déjà la victoire. Amen. Amen. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui ce que j'ai, je te le donne. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Lève-toi.
celui qui a changé le nom de Simon à Saul, à le nom de Simon à Pierre, le nom de Saul à Paul, il le change également. Alléluia. Ton nom. Amen. Hier, tu t'appelais vainqueur. Amen. Mais ce soir, tu t'appelles le plus que vainqueur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors, tout est soumis. Amen. Prie dans l'autorité. Amen. Que tu en sois. Amen. Fils de Dieu. Amen. Moins de Dieu. Amen. Prie avec toute l'autorité. Alléluia. En dérangeant Satan. Alléluia. En changeant les événements. Alléluia. En envoyant le miracle dans ta famille. Alléluia. En envoyant la délivrance dans ta maison. Alléluia. Les hommes et les femmes de nuit n'ont plus à visiter ta maison. Alléluia. L'ombre de la mort n'a plus de place dans ta maison. N'a plus de place dans ta maison. Alléluia. Et tu feras descendre la gloire de Dieu dans ta maison. Alléluia. Tu feras entrer le salut dans ta maison. Alléluia. Le bras levé, les deux bras levés, tiens la main de Jésus. Et tiens la main du Saint-Esprit Aaron et Hur sur la montagne de la transfiguration. Tu n'es plus le même. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le même. Alléluia. Tu es élevé. Amen. Amen. Sur la montagne. Alléluia. Pousse après moi la première victoire. Pour le Père qui t'a tant aimé et qui t'a donné son Fils unique afin que tu sois en lui et par lui fils héritier, fils de gloire, fils qui règne, fils de la richesse, fils dont il te donne ta part avec les rois. Amen. Avec les grands. Amen. Voici l'agneau qui déchire le voile en ta faveur. Voici l'agneau qui est allé te chercher dans le tombeau et qui ressuscite avec toi. Voici l'agneau qui t'élève et qui te fait asseoir avec lui sur le trône. Pousse-moi, pousse-moi. Victoire! Enfants, voilà celui que tu reçois est le Père de Jésus-Christ. Amen. Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui opérait les miracles, celui qui ressuscitait, qui purifiait les lépreux et qui lui donnait la gloire est celui que tu reçois ce soir. Amen. La troisième victoire, le Saint-Esprit. Tu parles la langue du royaume ce soir. Tu as les dons de vision ce soir. Tu as les dons de prophétie ce soir. Tu as les dons de discernement ce soir. Tu as le don de la foi ce soir. Tu as les dons des miracles ce soir. Revivra. Alléluia. Ressuscite. Alléluia. Prospérera. Alléluia. La puissance, tu l'as reçue. L'autorité, tu l'as reçue. C'est à toi maintenant. Ouvre ta bouche
il la remplira. Vomis-moi le feu qui est dans ta bouche. Ils reviendront sur un chemin et ils repartiront sur ce chemin. Consume-les. Allons-y. Finis de prier dans le nez. Ton miracle est dans ta bouche. Ton miracle n'est pas dans la même mécanique.